Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je suis ravie de vous revoir après dans quelques jours de repos, on va dire, de repos en termes de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui concerne toute une société, toute une société et chacun de nous personnellement. L'assurance en soi. Oui, l'assurance en soi. L'assurance en soi, qu'est-ce que c'est? L'assurance. Assurance. Être sûr. Assurance. Non, assurance, on a la sûreté. Sûreté, ça veut dire quoi? Sûreté, sécurité. L'assurance en soi, c'est être en sécurité en nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Être en sécurité en nous-mêmes. Ça, c'est l'expression que j'utilise. Mais c'est pour bien décortiquer un peu cette phrase, l'assurance en soi. Pour mettre en sécurité l'autre, il faut que nous-mêmes, on se sente en sécurité avec soi-même. Ça veut dire quoi? La paix. Faut qu'on ait cette paix intérieure, d'abord. Cette paix intérieure qui nous donne cette assurance. Tant qu'on n'a pas la paix intérieure, l'assurance est très difficile à obtenir. L'assurance en soi, je précise. L'assurance en soi englobe trois points que j'ai relevés. Savoir ce que l'on veut. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est dire ce que l'on pense. Et le troisième point, c'est affirmer ce que l'on dit et fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on affirme nos dires et nos faits. Par l'action. Chères sœurs et frères, mesdames et messieurs, si vous préférez, aujourd'hui, je vais être très très courte dans l'explication et cela va vous permettre aussi d'avoir un aperçu synthétique de ce point de vue. Dans la vie, vous savez, rien ne s'obtient sûrement et définitivement sans assurance en soi. Oui, sans assurance en soi. Quand vous voulez, ça peut être quelque chose de très simple. Très, très, très simple. Je souhaite travailler dans cette entreprise. Ça, c'est un exemple, parce que j'ai entendu parler de cette entreprise et je sais que cette entreprise peut m'apporter une très belle expérience dans mon parcours professionnel. Je veux entrer dans cette entreprise. Alors, dès l'instant où on veut, on sait ce que l'on veut, donc c'est le premier point. Alors, on a une détermination qui se met en place. Cette détermination-là nous pousse à affirmer, donc à dire ce que l'on pense réellement. Je veux travailler dans cette entreprise. Ça, c'est l'exemple que j'ai donné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va affirmer ce que l'on dit. Par l'action. Donc les faits.
on va faire son CV. On va faire sa lettre de motivation. On va poster son courrier ou l'envoyer par mail, c'est plus rapide. Se renseigner sur les responsables qui seraient susceptibles de vous recevoir en entretien. Préparer son entretien, y penser de façon ferme et précise à ce que l'on peut apporter à cette entreprise. Pourquoi nous voulons aller dans cette entreprise? Il faut avoir cette détermination dans ce qu'on veut faire. Et à partir de là, vous verrez. Certains diront que c'est de la chance. D'autres diront que c'est une grâce parce que certains sont croyants comme moi. Je crois en Dieu et j'estime que cela, c'est une grâce d'avoir un travail. Mais avant cela, il faut savoir que tout doit venir de nous. Nous devons avoir cette confiance en soi, dans tout ce que l'on fait. Confiance en soi, dans tout projet mis en place. Je prends mon exemple. Dans mon quotidien, je m'efforce de bien sélectionner les priorités et toujours dans l'assurance en soi. Parce que dès l'instant où vous n'avez pas d'assurance en vous-même dans ce que vous faites, c'est que cette voie-là n'est pas faite pour vous. Il faut le savoir. Oui, moi j'ai la grâce d'avoir la croyance en Dieu, de croire en Dieu et en notre Sauveur, Jésus-Christ, le Dieu qui sauve. J'ai cet avantage par rapport à certains qui ne croient pas en Dieu, d'avoir cette foi qui complète cette assurance en soi. Et ça te découple tes capacités de changer les choses. Alors je vous invite, mesdames, messieurs, frères et sœurs, à repenser votre façon de voir les choses. Car dans ce monde ici-bas, l'assurance en soi est fondamentale pour avancer, pour progresser, pour marcher posément, étape par étape, et de façon ferme dans la détermination. Et pour obtenir des choses, il faut avoir l'assurance en soi d'abord. Certains le compléteront avec la foi en Dieu, d'autres avec le yoga, d'autres avec du sport, d'autres avec la méditation. Chacun trouvera son complément, mais le primordial, c'est l'assurance, la confiance en soi, l'assurance en soi. Alors, je vous invite à méditer là-dessus, l'assurance en soi. Si vous avez des questions ou vous souhaitez être orienté de façon plus personnelle au cas par cas, n'hésitez pas à me contacter par mail au Evel Souma, donc evelsouma@gmail.com. Evel Souma. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Vous laissez vos coordonnées. Je vous recontacte très rapidement afin que nous puissions envisager un suivi ou un coaching personnel, personnalisé en fonction de votre cas. Ça peut être l'assurance, manque d'assurance en vous-même. Ça peut être un autre sujet. N'hésitez pas à me contacter. Les consultations se font en ligne. N'ayez crainte là-dessus. La consultation, donc le conseil, le coaching se fait en ligne. Donc n'hésitez pas à me contacter, je répondrai au mieux, au plus rapidement possible, afin que nous puissions organiser un rendez-vous. Voilà. Je voulais aujourd'hui donc vous
parler très brièvement de cela. Donc, il faut retenir l'assurance en soi, les trois points. Savoir ce que l'on veut. Deuxième point, dire ce que l'on pense. Troisième point, affirmer ce que l'on fait, ce que l'on dit et fait. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui sont en journée comme moi et une belle nuit pour ceux qui ont commencé la nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.